Hello tout le monde, encore une fois, bienvenue dans la chaîne YouTube. Là. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous gagner dans la communauté. Nous remercions pour le support à la chaîne. Merci parce que vous êtes abonné. Merci parce que vous toujours commenté la vidéo, vous toujours partagé le link. Merci pour la fidélité à la chaîne. J'en nous a fait depuis quelques semaines déjà, nous avons des personnages que nous choisissons de présenter. Des personnages qui étaient marqués, domaines côté ont évolué. Ou encore des personnages qui style en activité et qui apprennent domaine d'activité. Nous avons plaisir pour nous faire travail de recherche, ça y est pour vous. Et nous souhaitons que vous enjoy la vidéo, ça y est. Nous souhaitons que vous ayez des bagages, que nous rafraîchissons mes bois sur vous. Nous souhaitons tout, que des petites choses que nous apprenons parce que c'est vraiment ça l'objectif. Je tiens à me présenter un footballeur qui était marqué début décennie 2000. Mon qui connaît regardé football, notamment championnat d'Angleterre, époque 2004 jusqu'à 2012 par exemple, qu'on est extrêmement bien milieu de terrain ça que me présenter. Il était conduit dans l'Angleterre à l'époque, c'était vraiment le meilleur pendant la période 2004, probablement jusqu'à 2008-2009 parce qu'après en Espagne quand même, Vinga Xavi, Vinga Iniesta. En tout cas, jeudi, on a présenté Steven Gerrard. Steven George Gerrard, c'est un ancien footballeur international anglais qui fête le 30 mai 1980 dans le nord-ouest Angleterre, dans le district Liverpool. Il a commencé à jouer au football pour l'équipe junior ville natale très tôt. Ville, c'est Winston. À 9 ans, en 1989, Steven Gerrard allait dans le centre de formation Liverpool. Et puis en 1994, à 14 ans, Gerrard t'a fait un essai à Manchester United. C'est une façon pour te mettre pression sur Liverpool. Trois ans après, en 97 à 17 ans, il signe premier contrat professionnel à Crédio. Novembre 98, Steven Gerrard jouait premier match avec l'équipe première Liverpool. Il était commencé avec numéro 28. Après, il n'a pas joué avec numéro 17 et puis en 2004, il a pris numéro 8. Là. Il a joué 13 matchs pour la première saison. Ça. Il a remplacé Jamie Redknapp comme capitaine équipe qui était blessé. Pour la saison 99-2001, il a joué bon côté Harry Redknapp dans la prochaine saison. Il est devenu titulaire dans Liverpool. Il était tout prend Coupe UEFA, FA Cup à Coupe de la Ligue anglaise. Octobre 2003, 23 ans seulement, Gerrard remplace Sami Hyypiä comme capitaine Liverpool. Été 2004, Chelsea a fait une tentative d'acheter Gerrard, mais il a préféré rester dans Liverpool. Saison 2004-2005, c'est une des meilleures saisons de la carrière Steven Gerrard. Côté que, il prend la Ligue des Champions face à l'équipe Milan AC. Mais au final, inédite, dans la ville d'Istanbul, dans le pays de Turquie, il était homme du match dans la finale. Ça, côté Milan AC, après les 3-0 à la mi-temps sur Liverpool, il a fait un gros comeback dans la deuxième mi-temps pour égaliser 3-3 et gagner finalement dans la séance tir au but. Pour la saison 2005-2006, il était fait 23 goals en 53 matchs pour Reggio et il était pris en FA Cup. Là. C'est une saison qui était mieux aboutie dans la carrière personnelle de Steven Gerrard. En 2007, il a pris le perdu final C1 2-1 face à même Milan AC, donc il était pris en revanche. De 2007 à 2011, Gerrard n'a pas aucun trophée avec Liverpool. 13 avril 2008, à 28 ans, par ailleurs, il jouait 300e match pour Reggio. C'était face à Blackburn Rovers. Puis, le 1er octobre 2009, il marquait 100e goal. C'était face à PSG Eindhoven et c'était dans la Ligue des Champions. Février 2012, Gerrard prend Carling Cup à Liverpool. Mars 2012, il jouait 400e match dans la Premier League à Reggio. Le salaire était 32 ans. Octobre 2013, il inscrit 7e goal dans le championnat d'Angleterre. Janvier 2015, Steven Gerrard a annoncé qu'il a quitté Liverpool. Avril 2015, à 35 ans, il joue 5e match dans le championnat. Et puis 16 mai 2015, il joue dernier match dans Anfield contre Crystal Palace. Après 18 ans, il a joué dans le club ça, Steven Gerrard a quitté Liverpool pour aller faire une courte expérience dans LA Galaxy, dans MLS aux États-Unis. D'après le quitté en octobre 2016. Mais quelques bagages, ou t'as vu qu'on est, ou t'as supposé qu'on est, sous footballeur Steven Gerrard.
Li joue premier match li pour sélection anglaise contre Ukraine le 31 mai 2000 à 20 ans. Li quitte sélection en juillet 2014 à 34 ans. Li était entraîné Glasgow Rangers en Écosse de 2018 à 2021. Lycéo catholique pratiquant. Li marié avec un journaliste de mode qui relait Alex Kourap depuis 2007. Li a trois petites filles avec un petit garçon. Grand frère li Paul Gérard, c'est footballeur professionnel tout. Li était troisième dans classement Ballon d'Or France Football en 2005. Li joué professionnel pendant 18 ans de 1998 à 2016. Voilà pour présentation ça sous Steven Gérard, milieu terrain, médian défensif, milieu relayeur et qui était marqué Liverpool et soit faut top 10 joueur qui marqué soit Liverpool. Ou pas capable mettre yon moun takou Steven Gerrard et le défin qui te Liverpool te vraiment gon vide dans l'équipe là jusqu'à l'arrivée de Jurgen Klopp qui va reconstruire l'équipe Liverpool ça qui vient faire une machine à football qui te gon football à haute intensité que yon tap joué que yon style ap joué d'ailleurs donc qui vient reconstruire avec Mohamed Salah et j'en passe mais Steven Gerrard était yon icône Steven était yon symbole pour Liverpool très respecté en Angleterre. Côté de la bataille dans le moment avec la domination Manchester United de Sir Alex Ferguson. C'est pas une époque qui était facile pour Gérard, tellement de domination United là était en pile. Et après ça, il y a une succession avec Chelsea qui lançait avec Mourinho, j'en passe. Donc, Steven Gerrard avec la sélection anglaise, tout c'était ça. Frank Lampard et Mille dans le club, Zamil dans la sélection. Donc, nous souhaitons que vous appréciez la vidéo. Ça. De Steven Gerrard qui sont coquins de chaîne milieu terrain. Donc merci encore une fois parce que toujours supporter Chanel YouTube. Merci parce que vous abonnez à Chanel, vous mettez notification le nouveau vidéo ou joignez rapidement. Merci parce que vous toujours à partager les vidéos que nous mettez sur Chanel. Et d'après encore une fois tout travail technique ça yo, c'est ingénieur Christian Bendy Calixte qui fait yo. Merci encore pour le support. Nous à croiser une prochaine fois. Bye bye.